Bonjour tout le monde. Alors du coup, ah oui, hier on avait, non pas hier, c'était quand c'était jeudi dernier, on avait terminé le deuxième donjon, on avait récupéré l'arc, on avait récupéré les bombes, et on avait récupéré le nouveau bouclier. Oui, ça me revient. Alors du coup, le prochain objectif, ça va être de... Je sais plus du tout. Alors sur la carte, où est-ce qu'on doit aller? Ah là, je sais plus. Je suis perdu. Oh, coucou Noé, comment tu vas? En dessous, il y a un rocher, mais je ne peux pas le détruire parce que j'ai pas les bombes nécessaires. Voilà, ça devrait être mieux là. Ah si, je me souviens ce que je dois faire. Faut j'aille au lac qu'il y a. Faut j'aille au lac qu'il y a pour restaurer la lumière. Par contre, je ne sais plus par où passer. Je vais aller parler au prêtre. Il en est de même pour Fenir. La mésaventure de Colin l'avait fortement marqué et je suis heureux de voir qu'il va mieux. Fenir a fait part de son désir d'aider le village et il est allé de lui-même se placer à la vigie. Je suis sûr qu'il serait content si vous lui rendiez visite. Il se trouve au poste de vigie bien au-dessus de chez Cramé. Bon, du coup, ben... rien de plus que ça. Il me semble qu'il faut que j'aille voir la fille qui s'était faite kidnapper, je sais plus son nom non plus. Je sais pas par où passer. Je suppose que c'est par en haut, mais. Alors, en une semaine, c'est le trou noir. Je sais plus ce que j'ai fait, je sais plus où j'en suis, et je sais plus ce que je dois faire. Monsieur Neroxy, où êtes-vous? Ah, le facteur bizarre. Le facteur qui fait peur, qui nous court après. Ah, le voilà, Monsieur Neroxy, j'ai du courrier pour vous. J'ai deux lettres pour vous, Monsieur Neroxy.
Maintenant, moi, je repars. À plus. La boutique de Cocorico a ouvert ses portes. Nous avons en stock un objet que vous ne trouverez nulle part ailleurs. C'est un exemplaire unique. Alors venez l'acheter avant que quelqu'un d'autre ne flaire la bonne affaire. Réservé aux clients sérieux. La fabrique de bombes. Kramé vous remercie de votre confiance. Sachez que vous pouvez aussi combiner nos bombes avec un arc et créer des flèches explosives. Équipez-vous de votre arc, ouvrez l'inventaire avec le truc en haut, sélectionnez les bombes, puis appuyez sur R. À votre bon plaisir. Bon, tout ça on le savait déjà. Là si je me suis arrêté, c'est parce que j'ai vu ça. Ah, il fait flipper le facteur, hein. Il nous court après, il est partout, je sais pas trop comment il sait où on est, mais c'est un stalker. Ah, c'est peut-être un Illuminati, ouais. Ça expliquerait beaucoup de trucs, hein. Bon, alors là, faut que j'aille où? Je suis arrivé ici, mais... Il n'y a rien du tout dans le coin. C'est pas possible. Ah. Le coffre. Encore un cœur. Trouvez-en deux autres pour accroître votre énergie et cœur supplémentaire. Bon, on a fait tout ce qu'il y avait à faire ici. On y retourne. Ouais, du coup, faut que je me dirige vers le crépuscule. Ah, je peux pas le taper. Ça me paraît pas être par ici. Hein. Alors en ce moment je suis en train de préparer mon déménagement. Je vais déménager dans un nouvel appartement et du coup hier j'étais pas là, j'étais en train de faire des papiers. Et je suis rentré un peu trop tard, j'ai pas pu être présent au stream, mais j'ai laissé un petit message sur Facebook pour prévenir justement. Bon, j'ai prévenu un petit peu tard, mais j'ai quand même prévenu. Si jamais je suis pas là ou quoi que ce soit, enfin il y a de fortes chances que je laisse un petit message sur Facebook. Parce que ça peut arriver, parfois on a des imprévus ou des trucs comme ça, et du coup on peut pas être présent. Ça c'est à la différence de YouTube. Moi je peux pas me permettre de poster mes vidéos quand je le veux. Enfin quand je le veux. Je suis obligé d'être présent. Parce que forcément les streams c'est du direct. Donc je suis obligé d'être présent. Et si jamais j'ai un contretemps ou quoi que ce soit, je peux pas vous proposer de vidéo. Et du coup, c'est un petit peu ce qui s'est passé hier. J'ai eu un contretemps et j'ai pas pu être présent. Du coup, pas de vidéo du tout. Et quand c'est comme ça, histoire que vous m'attendiez pas pour rien, je vous laisse un petit message sur Facebook. Pourquoi tu dis ça, Noé? J'ai jamais dit que t'avais 13 ans.
Ah, parce qu'il faut avoir 13 ans pour aller sur Facebook, c'est pour ça que tu me dis ça, Noé, non? Oh, d'accord. Et ben du coup, ce que je ferais, c'est que quand j'ai un petit contretemps comme ça, je posterai un message sur Facebook comme d'habitude, parce qu'il y a certaines personnes qui consultent le Facebook, etc. Mais je laisserai un petit message sur Twitter aussi, je sais pas si t'as Twitter. Ah là, j'ai plus beaucoup de flèches. Moi, j'ai plus de flèches du tout, j'ai tout cramé à l'instant. Je vais essayer d'en récupérer sur eux, c'est des archers. Ouais, c'est la fameuse attaque de Link. Ah, c'est le fameux tourbillon. Je peux pas exploser ces rochers? C'est bizarre ça quand même. Ils sont trop costauds pour être explosés avec mes bombes. Ah, et du coup c'est bien ici qu'il fallait que j'aille. Par contre, mon cheval a peur, il va pas vouloir avancer davantage. C'est pas grave. Ah, enfin, nous y voilà. Il ne reste plus qu'un seul cristal d'ombre à trouver. Ce qui veut dire que nous sommes près d'entrer dans la dernière région du crépuscule. Il ne tient qu'à toi de rendre cette région à la lumière. Tout va dépendre de tes efforts. Alors, qu'est-ce que tu vas faire? Allez, on y va. En plus, on va enfin redevenir un petit loulou. J'adore être un loup sur ce jeu, c'est impressionnant. Je pense que si je pouvais faire tout le jeu en étant un loup, je le ferais avec plaisir. Alors, je te fais entrer dans le crépuscule. Oui. Bon, je vais t'aider, mais c'est bien parce que c'est toi. Ah là là, c'est la dernière fois que je peux admirer ces magnifiques nuages noirs dans ce monde. Peut-être pas, qui sait? Allez, allons-y. Ah oui, dans ce jeu-là, Link se transforme en loup. Ça serait trop long de tout expliquer, Noé. Du coup, je te propose de regarder les vidéos sur YouTube. Parce que lorsque. Enfin, sur YouTube, il y a les épisodes du début du jeu qui expliquent bien pourquoi je suis un loup.